Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle barre de danse classique. Je serai accompagnée tout le long par les musiques de Nolwenn Colley. Je vous mets le lien de son site internet en description. Si vous voulez faire des exercices avant, je fais de nombreuses playlists avec du renforcement musculaire, des barres au sol, des barres classiques et réviser les pas. Il y aura une vidéo tous les dimanches matins en alternant ces sujets-là. Pour cette vidéo, vous pouvez mettre les pointes ou la faire sur demi-pointe. On y va! Bon courage à tous, bon courage à toutes et c'est parti! On commence le premier exercice face à la barre. Donc on va faire demi-pointe, pointe, demi-pointe, posé talon. Et coup de pied, posé, coup de pied, posé. La même chose avec l'autre jambe. Demi-pointe, pointe, demi-pointe, posé, repoussez bien dans le sol, pointe. Posez, pointe, posez. Puis pliez, demi-pointe, allongez, posez. Ou si vous êtes sur pointe, demi-pointe, pointe. Pliez, demi-pointe, repousse, posez. Montez sur pointe ou grande demi-pointe. Pliez, posez les talons, repousse, allonge, pliez, posez. Et passez en première position. Et on refait la même chose en première position. Demi-pointe, pointe, demi-pointe. Posez, pointe, demi-pointe, talon, demi-pointe, pointe, demi-pointe, talon. Et vraiment, arriver à articuler la cheville. De l'autre côté, la même chose. Puis dérouler deux pieds, deux fois dans un sens, deux fois dans l'autre, et lâcher. On y va en musique. Et demi-pointe, je fais face à vous, pointe, demi-pointe, et posez, et pointe, l'autre côté, et demi-pointe, et coup de pied, et déroulez le pied, et repousse. Et déroulez deux pieds. Deuxième fois. Et allonge. Montez sur pointe. Pliez. Posez. Et repoussez. Et monte sur pointe. Pliez. Et en première. Et un. Et pose. Et coup de pied. Et coup de pied. Et l'autre jambe. Repoussez bien dans le sol. Détendez les épaules. Et regardez pas vos pieds. Et pliez, déroulez de pied. Talon en avant, repousse. Et pliez. Et dans l'autre sens, montez sur pointe. Pliez. Repousse. Et lâchez la barre. On continue avec les demi-pliés. Donc en première, en seconde, en quatrième et en cinquième. On va faire deux demi-pliés. Le bras qui vient en première. Le bras qui ouvre au second avec le coude allongé. Grand plié. Posez bien les talons. Puis déroulez deux pieds. Soit sur demi-pointe, soit sur pointe. Bras couronne. En avant dos plat. Revenir, dégager, seconde position, la même chose. Deux demi-pliés, un grand plié, déroulez deux pieds, bras couronne, ouvert, penchez sur le côté, dégagez quatrième. La même chose en quatrième, on va pencher de l'autre côté. En cinquième, plié, déroulé, donc la même chose, deux demi-pliés, un grand plié, déroulez deux pieds, et tout autour, plié. Relevez, lâchez et finissez. On y va directement en musique. Première position, repoussez bien dans le sol. Et demi-plié, repousse. Et demi-plié, allonge, grand plié. Port de bras. Déroulez de pied, pliez, demi-pointe, pose avec le bras couronne.
et en avant. Reviens, dégagez seconde position. Et demi-plié. Et demi-plié. Allonge, grand plié. Appuyez bien dans les talons. Et déroulez de pied. Posez. Et vers la barre. Dégagez, quatrième position. Et souple. Et respire. Accompagnez bien avec la tête. Grand plié. Et déroulez de pied. Posez. Penchez de l'autre côté. Et dégagez. Cinquième position. Allonge. Et demi-plié. Et demi-plié. Respirez bien. Allonge. Et grand plié. Et pliez, déroulez de pied. Croisez. Et tout autour, en avant. Côté, cambré. Reviens. Pliez. Relevez. Lâchez la barre. Et descendez joliment. Bien. La même chose à gauche. Poussez bien dans le sol. Détendez les épaules et allongez. Et demi-plié. Et demi-plié. Respirez, grand plié. Et déroulez de pied. Allongez bien dos plat. Remonte et seconde position et demi-plié et respirez et grand plié et déroulez de pied, talons en avant, repoussez bien dans le sol et vers la barre et dégagez quatrième position et demi-plié. Déroulez de pied. Grand plié, pardon. Maintenant, déroulez de pied. Repoussez bien. Bras couronne. Et penchez de l'autre côté. Et respirez. Repoussez dans le sol. Et respirez. Grand plié. Et pliez. Demi-pointe, pointe, allonge, et tout autour. Et pliez, relevez, ouvrez bien les coudes, le ventre est tenu, baissez les côtes, baissez les épaules, et finissez. Bien. Les dégagés en première position. Donc, on va faire 3 dégagés devant en déroulant bien le pied. Les bras à la seconde. Le bras reste à la seconde. Puis coup de pied, donc soit sur demi-pointe, soit sur pointe. Monter sur demi-pointe ou pointe. Redescendre de l'autre côté, poser. Même chose seconde. 3 dégagés bras second. Repoussez bien, on déroule bien le pied. Puis pointe, monte, pointe. Même chose derrière, passez bien la jambe, 3, et demi-pointe, poussez, demi-pointe, fermez, 4 dégagés première, et pliez, déroulez de pied, posez. On reprend la série derrière, seconde, devant, et finissez. La deuxième fois, on ne fera pas les 4 dégagés à la seconde. Donc devant, seconde, derrière, 4 dégagés première, déroulez de pied, derrière, seconde, devant, finissez. On y va en musique. Repoussez bien dans le sol. Et devant. Reviens, repousse. Et allonge. Détendez bien les épaules. Et dégagez. Et demi-pointe, repousse. Et
Et dégagez. Et dégagez. Et demi-pointe. Et derrière. Et allonge. Déroulez bien le pied. Et demi-pointe. Monte. 4 à la seconde. 1. Reviens. Et 3. Et 4. Et déroulez le pied. Respire. Et de derrière. Et reviens. Et dégagez. Croisez bien la jambe. Et pointe. Monte. Et seconde. Et seconde. Seconde. Et remonte. Dernière fois devant. Et dégagez. Repoussez. Et dégagez. Et restez posé. Bien. À gauche. Bras à la seconde, détend les épaules et allonge. Et reviens. Et allonge. Glissez bien, talon en avant. Et seconde. Et talon en avant. Et derrière. Quatre à la seconde. Et dégagez. Fermez. Déroulez bien. Et pliez. Déroulez de pied. Et de derrière. Longue jambe. Attention à la fesse. Et seconde. Reviens. Talon en avant. Allongez bien. Et allonge. Et allonge. Finissez. Dégagez en cinquième position. Bras couronne quand on va faire devant. Bras en arabesque quand on fait en arabesque. Et à la seconde, bras seconde. Puis après, les développés. Parce qu'on va mettre des petits développés. On va faire devant, seconde, derrière. Je vous montre. 1. Dégagez, restez. Et axe intérieur 2, suivi. Reste, fermé. Accélération pour avoir l'axe intérieur. Fermé, fermé. Derrière la même chose, je reste. Et 2, suivi. Et dégagez, restez. Et accent, et accent. Même chose, seconde. Et 2, suivi. Si vous voulez mettre les têtes, c'est encore plus amusant. Reste. Et fermé. Puis développez devant. Développez seconde. Avec la coordination du bras, développez derrière. Plié, tendu. Et on repart derrière, devant, seconde, puis développer derrière bras arabesque, développer seconde, développer devant. Restez ferme et de suivi, et restez ferme et de suivi. Devant, derrière, seconde. Développer devant, développer seconde, développer derrière. Puis derrière, devant, seconde. Développer derrière, développer seconde, développer devant. On va faire des dégagés en première avec le bras qui monte, 8. 8 en cinquième en commençant derrière avec le bras extérieur. Puis plier, relever, équilibre au genou. Si vous êtes sur pointe et que c'est un petit peu difficile une main à la barre, vous le faites face à votre support, face à la barre. On y va directement en musique. Reste et fermé, fermé et reste et fermé et derrière. Et ferme, et reste, et fermé, et seconde reste, et fermé, et reste, et fermé, et développé, et développé, et développé, plié, et derrière, et fermé, et reste, étiré, et accent, accent, et allonge, et devant accent. Et reste, et accent, seconde, et fermé, et allonge, et fermé, et développé derrière, et seconde, et devant.
et glissez le long de la jambe et finissez. Respirez un petit peu. Et on y va de l'autre côté. La couronne. Reste. Et intérieur. Intérieur. Et reste. Et fermez. Allez, tout seul. Développez devant et seconde et derrière, puis allonge et reste. Seconde. Et développer. Et seconde. Et devant. Les suivis. Et un. Et derrière. Et plier. Équilibre au genou. Sur le même principe avec des enveloppés cette fois-ci. Donc devant, on va faire bras couronne, jette et ferme, et jette et ferme, et jette et pique, pique, ferme. Derrière, même chose, deux jetés et pique, pique, ferme. On peut dire tapoter aussi. C'est juste la pointe qui va toucher comme si le sol était très coulant et on rebarre. Très dynamique, mais précis. Et le corps, on va éviter qu'il bouge partout. Et seconde, la même chose, deux, et pique, pique, ferme, enveloppez derrière, enveloppez seconde, enveloppez devant le bras, reste à la seconde, et enveloppez seconde. Et on reprend de derrière, derrière, devant, seconde, puis enveloppez devant, enveloppez seconde, enveloppez derrière, enveloppez seconde. Et ça sera tout. Jette, jette, et pique, pique, ferme, et derrière, seconde, enveloppe, 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 fermée et de derrière. On y va. Et jette. Et jette. Pique, pique. Derrière. Et seconde. Jette. Et jette. Et jette. Pique, pique, ferme. Enveloppe. Enveloppe. Enveloppe et enveloppe et derrière. Croisez bien les jambes. Appuyez-vous sur l'air et couronne. Tac, coup de seconde. Et seconde. Et pique. Enveloppe devant, pointe de pied. Derrière. Et seconde. Finissez. Respirez. Et à gauche. Et reste. Et pique, pique. Derrière. Et jette. Seconde. 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 Pique. Enveloppe derrière. Seconde. Devant. Seconde. Et derrière. Et devant. Grandissez-vous. Et seconde. Enveloppe devant. Et seconde. Derrière. Et respire. On passe aux rondes jambes à terre. En cinquième position, on va faire plier devant. Rond de jambes, fermez cinquième directement avec une suspension avant de fermer la cinquième. Ne vous tassez pas dans les hanches. Même chose derrière, plié derrière et fini devant. Puis trois rondes de jambes, un et deux. Le bras va s'ouvrir tout doucement, on essaye jusqu'à la seconde. Et
quatrième, 45 degrés. Longue jambe, longue jambe, longue jambe. Allongée, fermée. Et on repart de derrière. Pliez derrière. Respirez, fermez devant. Pliez dedans, devant, fermez derrière. Et rond de jambe. 1. Et le bras va fermer progressivement. 2. Et 3. Et 45 degrés. Longue jambe, longue jambe, longue jambe, longue jambe. Pointez, fermez. Puis, enveloppez devant. Développez. Seconde, fermez. Enveloppez derrière. Pliez devant. Rond de jambe. Pointez, fermez. Enveloppez derrière. Développez. Seconde, pointez, fermez. Enveloppez devant. Pliez derrière. Grand rond de jambe. Fermez devant. Grand plié. En avant cambré. Grand fondu. Penché cambré. Arabesque. Penché arabesque. Pointez. Et si vous le sentez, sur demi-pointe ou sur pointe, l'équilibre. Donc, pour le rond de jambe en l'air, qu'il soit petit ou grand, il faut vraiment penser que le talon, si on fait flex par exemple, le talon il va très très loin. Donc, on libère de l'espace dans les hanches pour pouvoir passer derrière sans bouger les fesses en fait. Enfin, sans que ça se voit et sans que ça soit trop impactant au niveau des yeux quand on le voit. Donc, devant, je touche, je tire pour que le passage en arabesque se fasse plutôt très bien. Pensez-y vraiment à longue, longue jambe, la respiration, la repousser, le repousser dans le sol pour pouvoir étirer, se grandir au maximum. On y va en musique. Et pliez devant, et fermez derrière. Et pliez derrière. Allonge. Et fond de jambe. 1, 2, 3. Et 45 degrés. Et pliez derrière. Respirez. Longue jambe allongée. 2, 3. Et 45 degrés. Et enveloppe. Développer, seconde, envelopper derrière, et plier, grand rond de jambe, enveloppe, développer, seconde, pointer, grandissez, envelopper devant, et plier, et respire, grand plié. Et port de bras. Et en avant. On repousse sur le pied devant dans le cambré. Et dégagez derrière. Grand fondu. Grand penché. Et cambré. Et allonge, rabaisse, penché. Bien. Et relevez, reste. Appuyez sur l'air. Croisez bien la jambe. Résistez. Longue, longue, longue. Attention à la descente. Et allonge. Et finissez. Relâchez. Bien, vraiment repousser avec une belle dynamique, un endeur bien travaillé. On y va à gauche, je vous dis moins de corrections pour que vous essayiez de réfléchir à la fois à la chorégraphie, enfin à l'exercice, à l'enchaînement et aux corrections. Et vous repoussez dans le sol avant d'y aller. Et... derrière et rond de jambe.
Mettez vous dans la direction, hein. Si vous avez des choses qui gênent. Développez ses gonds. Et enveloppez devant. Et rond de jambes. Et finissez, respire. Et grand plier. Dégagez derrière, grand fondu, cambré, et arabesque penché, plié, relevé, avec les frappés. Donc la première fois on va faire à pied plat et le pied va être enroulé. Vous voyez, un pied enroulé. Et la deuxième fois on fera sur demi-pointe avec le pied qui ne sera pas enroulé. Donc quand on va être sur demi-pointe, c'est l'autre manière de faire les frappés, donc avec le talon en avant. Mais ça c'est enroulé et ça se semble, on va dire. Je ne sais pas trop comment vous l'appelez, mais en tout cas quand c'est enroulé, c'est le talon et les orteils qui sont derrière. Et quand c'est derrière, juste le talon avec les orteils allongés. Et quand on n'est pas enroulé, c'est la pointe de pied, les petits doigts qui touchent l'éole et derrière le talon. Donc on va faire 5, 6, 7, présenter et frapper, donc pied enroulé, derrière, devant, pointé. Devant, derrière, pointé. Devant, derrière, pointé, derrière. Derrière, devant, pointé. Et de derrière. Hein. Petite promenade de frapper. En allongeant, en grandissant, en développant, en présentant son pied. Puis frappez devant, frappez derrière, frappez devant, frappez derrière. On fait attention aux genoux et rapide, le plus rapide possible. Encore une fois, derrière, devant et frappez très 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 rapide. Et on va faire la même chose sur demi-pointe. Donc quand on va être sur demi-pointe, on va rester tout le long sur demi-pointe ou sur pointe. Si vous avez le mollet en feu, vous redéposez calmement et vous continuez à pied plat. Mais cette fois-ci, avec le pied qui n'est pas enroulé. Devant, seconde, derrière, seconde, et derrière, seconde, devant, seconde. Reste 1, 2, 3, 4 petits battements. 1, 2, 3, 4 petits battements. Pliez, relevez, équilibre jarret avec l'autre jambe. Soulagez le mollet. C'est parti. Et présentez. Et hop, devant. 1, 2. Et de derrière. Et de derrière. Devant. Et petit battement rapide. Et derrière. Devant. Allez, tenez le ventre. Et petit battement. Et sur demi-pointe, devant, seconde, derrière, et seconde, reste, et derrière, croisez bien, double frappé. Et seconde, devant, derrière, devant, petit frappé très rapide, et derrière, devant. Finissez. Pas d'équilibre là, on les fera après. C'est très bien. C'est parti. On remettra la musique après, on fera au jarret à droite et après à gauche. On y va à gauche. Et seconde, enroulez bien le pied. Et de derrière. Et demi-pointe.
plus avancé. Et devant. Et petit battement. Et derrière. Et petit battement. Et finissez. Allez, on fait un petit détourné. Équilibre au jarret. Quand vous finissez, joliment. Et après de l'autre côté. Longue jambe, moins de cellules. Allez. Faites l'équilibre comme vous le sentez. Bras couronne, bras simple. Quand vous voyez que vous allez avoir le déséquilibre, demi-point de talon, glissez en nageant. Respirez. Et la même chose de l'autre côté. Détendez bien les épaules. Je vous laisse finir. Refaire. Déroulez bien le pied avant de descendre. Grandissez-vous, détendez les épaules. Et finissez. Très bien. On va finir cette petite barre avec des grands battements. Donc on va faire grand battement devant, grand battement devant, grand battement pointé et enveloppé. Donc le pointé rebond, enveloppe. Même chose seconde. On peut garder les bras en couronne. Hein. Vous ouvrez bien avec le coude et vous détendez les épaules au plus que vous pouvez en gardant les côtes secs. Donc grand battement, grand battement, grand battement pointé, enveloppé. C'est la force dans le pied. Attention de pas lâcher la jambe, encore moins si vous avez des poids, sinon ça va faire beaucoup de bruit et vous risquez de vous faire mal. Donc je retiens ma jambe au pointé et je relance. Même chose derrière, même chose seconde et on finira. Grand battement et grand battement, grand battement pointé et enveloppé. Même chose seconde, même chose derrière, même chose seconde. C'est parti! Et lance! Et lance, et pointe, enveloppe, seconde, et pointé, enveloppé, et derrière, pointé, enveloppé, seconde, et pointé, et enveloppe, fermé, de l'autre côté. Seconde. Derrière. Et seconde. Et finissez. Bien. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez bien travaillé. Pour les personnes qui ont mis les pointes, je vous propose des vidéos avec les pointes pour continuer avec quelques relevés et vous échauffer encore un petit peu plus. N'oubliez pas de vous étirer, d'où la vidéo sur les étirements. Et puis, laissez un commentaire si vous en sentez le besoin et si vous avez envie de dire quoi que ce soit, ça me fait toujours plaisir, je les lis vraiment tous. Et n'hésitez pas et n'oubliez pas surtout, quand vous vous abonnez, de mettre la notification en place pour pouvoir recevoir toutes les vidéos que je mets. En général, j'essaye d'en mettre une tous les dimanches matin. Donc voilà. Mais si ça change, au moins vous serez notifié directement. Merci beaucoup Nolwenn Collet pour toutes tes musiques. Grâce à toi, on peut danser avec joie, parce que j'adore vraiment. Et puis voilà. Je vous retrouve, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouve dimanche prochain. À bientôt.